Salut à tous, c'est Demon. Bon, alors, petite info déjà pour que vous sachiez. J'enregistre avec autre chose que Fraps, parce que j'utilisais Fraps jusqu'à maintenant. Là, j'essaye autre chose, Shadowplay de Nvidia. Par contre, ça me coupe toutes les 20 minutes apparemment. Ça me fait des vidéos de 20 minutes. De toute façon, je vais essayer de faire en sorte que vous ayez des vidéos d'une moyenne de 30 minutes. Voilà. Donc bah, c'est parti pour la suite du playthrough de la Terre du Milieu, l'ombre du Mordor. J'en profite quand même pour rappeler que là je fais une reprise. Vous avez une heure de jeu en moins, comme je vous avais prévenu. J'ai fait la quête principale du Capitaine Noir et j'ai fait la quête principale qui suivait pour récupérer un objet dans une caverne et on rencontre un nain à la fin de cette mission. Voilà, donc vous avez ces deux missions-là qui ont été faites dans l'épisode Playthrough numéro 6 de EX VSK, de 0 à 24 minutes du Playthrough numéro 6. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire du coup? J'ai débloqué toutes les tours de cette zone. Dans l'autre zone, il me manque, je crois, un artefact, me semble-t-il. On va aller vérifier. Si c'est bien le cas, je vais le chercher, comme ça la première zone sera nettoyée, on aura tout fait dedans, on n'aura plus qu'à être sur cette seconde zone. C'est parti. Alors, voyons voir. Bon, ici il y a toujours ces quêtes de récompense de pouvoir. Alors du coup, voilà, vous voyez, j'ai ici artefact, et oui, il me reste évidemment des missions d'exilés à faire. Voilà, ça c'est les quêtes et ça apparaît sur ma carte à certains moments. Ah tiens, il y a ça aussi que j'ai pas fait, faudra que je le fasse. Voilà, donc en fait on va finir tout ce qu'il y a là. Drainage de combat pour accéder à cette mission. Ah d'accord, ici c'est une légende de l'épée, j'ai pas encore le drainage, c'est pour ça. Donc du coup on va finir tout ce qui reste à faire ici, tout ce qui est légende, artefact, quête d'exilé, etc, etc. On va commencer déjà par aller récupérer cet artefact qui traîne là-bas. Est-ce que je l'ai marqué? Je sais même pas. Non, je l'ai pas marqué. Donc je le marque. Voilà. Je m'excuse à nouveau pour cette heure de jeu perdu. Malheureusement, je n'ai plus rien. Je savais déjà. D'où est-ce que vous me voyez? Hein? Il n'y a pas de respect. Allez, je passe dans votre dos sans souci. Allez, on va voir. Un drôle qui s'est échappé, quelqu'un doit aller chercher. Bon, j'espère que ça tombe, des chauves-souris. J'espère que ça tombe. Suffisait de venir ici. Tu es... Oh, d'accord, tu es un gros. Bon, on le fera, je crois, dans cette vidéo, étant donné que c'est galère, autant s'en débarrasser le plus vite possible. Ah bah oui, effectivement. Ils sont puissants, ces flèches. Deux choses qui rôdent. Idole sculptée à l'image de Morgoth. Avant la chute de Numenor, ces prêtres et disciples des ténèbres offraient des sacrifices à d'étranges divinités dans leur temple, et les idoles sculptées telles que celle-ci étaient vénérées en toute liberté. Cette idole représente Morgoth, premier seigneur des ténèbres de la Terre du Milieu, et a sans doute été apportée dans la région par des missionnaires cherchant à répandre sa vile parole. Sur le crâne, quoi. Farazon. Il s'est bien fait rouler, ça oui. Et qu'est-ce qu'on obtient? Une autre guerre! Plus de taxes! Ha! Des sacrifices humains sur la Grand Place! On entend crier, de jour comme de nuit, et on est censé vénérer cette chose hideuse! Le grand arbre, c'est du petit bois! Le roi se fait abreuver de sottises par son conseiller, le merveilleux enchaîné, Sauron! Ou devrais-je dire le prince? Et Lindel a raison!
Numénor est perdu, et les navires ne pourront nous éloigner assez vite de ce charnier. D'accord. Donc à l'époque, Sauron, c'était pas le grand Sauron qu'on connaît maintenant. C'est toujours bon à savoir. La suite. Tout l'argent du Gondor. Morgoth, le premier seigneur des ténèbres de la Terre du Milieu. Le grand ennemi, Sauron était son serviteur loyal jusqu'à la fin et au-delà. Je reverrai bien qu'un animal. Soumets-toi. Voilà. Il se passe quoi? C'est là les gars. C'est par ici que ça se passe. Alors. Ah non, c'est pareil. Je ne sais même pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai de la Gwynuial et de l'Alphirine. Ok, donc pâte de poulet blanche et étoile jaune. Enfin, croix jaune. Bah, bon, je les ramasserai. Un gros goût, est-ce que je pourrais trouver un gros goût? En me baladant. On va les faire. Ah bah attendez, pâte blanche, j'en ai une là en vue. Juste là-bas. Avant de faire ces quêtes d'exilés, j'ai envie de faire les légendes, parce que c'est plus important. Derrière les murs de fer, se servant de tous ceux qui jetaient bêtement un coup d'œil au-dessus des remparts, comme si pour l'entraînement. Faire quoi? Tirer dans les mecs et les feux de camp pour les faire sauter. Alors, où est-ce que tu courais comme ça tout à l'heure? D'accord, centrer dedans. Une vermine du nom, et mettez de la là-bas. Oh bah j'ai jamais vu. Ça on va tout ce qu'il y a dans le coin. Là il y a un prêt. Non, c'est juste là. Okay. Qui t'en a? Ah c'est toi là-haut. Là. Il me reste. Voilà, des flèches, c'est ça. Le forgeron ne fait que réparer les vieilles épées depuis un moment. C'est que... Depuis plus longtemps, on devrait peut-être aller aiguiser nos épées sur sa peau. Ça, je vais bien. Vous avez entendu? Du coup, on va tuer les gardes. Normal. Ah, lui, il est caché, mais... C'est marrant, hein. Vous planquez pas les gars. Vous avez peur. On va essayer de se mettre un peu en hauteur. Parce que vous, je peux jouer dans ça. Ouais, j'ai envie de les flèches là, c'est bon. Voilà. Plus. Là-bas. Fais gaffe. 3.
Ah bah, allez. Ah, c'est ça. Bon, pas trop compliqué. Ouais. Vous avez complété la moitié de la légende de votre arc. Askar a été reforgé par le spectre et son histoire a été inscrite sur son manche. Complétez les quêtes suivantes du coup pour forger la légende de votre arc. D'accord. Je fais plus de dégâts, c'est ça? En tout cas, c'est vrai que l'arc est sympa. Pas à dire. Il est sympa. Ok. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire. Juste voilà, je suis arrivé à la moitié quoi. Bon, le prochain rang il va venir tout seul petit à petit. Du coup ça c'est fait, on va aller faire celle-ci du coup. Le TP le plus proche, je sais pas trop, voilà, peut-être celui-là. Alors la quête, en quelle direction? Dans mon dos. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est le plus simple. On va y accéder ici. Au passage, je pense, fleur à récupérer. Donc c'est croix jaune. Et je crois que j'ai déjà les deux pattes de poulet. Non, il m'en reste une. Ok. J'étais scoop. Alors, j'avais une de là où j'étais. J'ai l'impression. Je vais y aller à une carte pour voir s'il n'y a pas des trucs à ramasser. Mais apparemment, non. Quoi, je vais m'enfiler. Pour tous ceux que je croise pas, et... enfin que je croise et que je tue pas plutôt. C'était quoi ça? Pourquoi il y a un cadavre qui est tombé dans le pas? Elle est pas mal. Si la tour arrive, ils vont tout. Ça, ça démonstration de pouvoir. Sa réputation grandissant, le seigneur des ténèbres organisa des rassemblements pour les... Il s'en servit pour renforcer sa revendication. J'étais malin de mettre un verre devant mon horloge. Tant pis. Brutaliser les gardes sans déclencher l'alerte. Éliminer furtivement des ongles. D'accord, donc c'est le garde qui est là-bas. C'est pas grave, on va se faire tous les ongles du coin. Là-bas, là, tiens, viens par là. Grain, attends que t'arrives à porter, il est là. Ah! Ah, il est grillé, quoi. Non, c'est le feu que je veux. Oh, je l'ai pas eu, quoi. Ah non. Non, tu me vois pas du tout. Oulala, il est gros. Oulala, il est gros. Lâchez-moi, pas là. Ah, c'est un capitaine. Les archers sont les poils. C'est ce qu'a dit Gorg. Par là. Voilà. Toujours pas d'alerte. C'est parfait. J'ai bien entendu quelque chose. Voilà. Pas d'alerte de quoi que ce soit, c'est ça. Ils sont
Ah voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est un patron là-bas. Oh là là, non, non. Ah, c'est pas possible. Oh, c'est pas grave. Voilà. On peut tous les deux tuer l'autre. Alors il y aura un mort. Et je suis persuadé que c'est moi. Qui te tuerait ? C'est tu. Je vais allumer le feu. Ah là là, je vais j'ai pas vu. Tu vas avoir des problèmes. Oh, il va vite. L'éternel. Normalement, c'est moi qui fais les cicatrices. T'as inversé les rôles. Je vais rétablir la situation. C'est pas un problème. Comment reset un endroit où on s'est fait griller? Vous faites ça. Voilà, c'est reset. Et j'ai toutes mes flèches. C'est bon. Non, de toute façon, ça fait pas un truc. Du coup. Il a des conflits en hurlant comme un vulgaire pot tendre. Ça va lui rester toute la vie. On a deux là. On grimpe encore. Hop. Il y en a deux ici. Trois. Qu'est-ce que c'était? C'était rien du tout. Venir. Homme, aucune chance. Je vais la refaire vite fait. De toute façon, vous avez vu, c'est rapide. Ah non, tout à l'heure, on m'a localisé. Qu'est-ce que c'est? Oui, mais c'est bien. Les hommes et les elfes ne comprendront pas ce qui leur arrive quand le maître reviendra.
Non, en même temps ça va, je fais pas énormément de fail. Il va vous servir à rien. Il y a lui là-bas. Les Caragors ne me font pas peur. Éviter. Le prochain que je vois, j'essaierai de le chevaucher. Tu dois te méfier. Rien qu'un seul pour être aidé. On remonte ici. Oh, écoutez, je vais essayer comme ça. C'est jamais quelque chose. Apparemment c'est possible. C'est nickel. Et là, il n'y a pas de talent. Pourquoi brutalement? Voilà. Bon, c'était pas sur le pied. Ah. D'accord, ça ajoute juste une écriture en fait. La moitié des légendes, Asharn a été reforgé par le spectre et son histoire a été gravée sur sa lame. Ah ouais, est-ce qu'elle est plus stylée qu'avant? Non, ça reste... Ah, quoique, peut-être qu'elle est... Ça fait moins cassé qu'avant, ça fait plus aiguisé, quoi. Ok. C'est juste pour l'imagination. Qu'est-ce qu'il reste à faire, du coup? Bah, tout ce qui est mission exilée, les plantes, ah oui, puis le grog, je voulais un grog dans le coin, on va essayer d'en trouver un sur le chemin, on va faire tout ce qui est exilé, enfin, mission principale, je ferai sur la prochaine, ça dépend à quel point on aura avancé évidemment dans les quêtes annexes. Je prends pas où là, à droite. Je prends par à droite, ok. J'ai déjà vu ces traces. Ah. C'est moi qui les ai faites en traînant les esclaves au train. C'est pas un... Du coup, faut que je débloque a priori une technique à l'épée. On continue dans le sens principal à tuer au plus avant de la fin. Relou, là. Sur le coup, j'aurais bien voulu la débloquer cash, mais... À faire leur quota, faut que je puisse faire. Ok. Sauver l'esclave. Éliminer furtivement des oroux. Enfin, comme d'hab en fait. Avant de sauver les esclaves, on va éliminer. Le capitaine a dit d'essayer de trouver ce qui faisait ces bruits étranges. Vous êtes pas nombreux, hein. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous êtes pas des masses. Ça me plaît pas ça, vous êtes pas assez nombreux. J'ai vu ce que l'immortel a fait aux explosifs. Il les a fait sauter d'un coup et il y a des bouts d'ourouk un peu partout maintenant. Allez, et de 1. J'ai lui qui est là tout seul à part. Ah non, ils sont deux. Oula, 3. Vous avez entendu? C'est ma proie! On est trop nombreux! Qui demande juste de tuer pour tout le monde? Merci, c'est fini. Au revoir. Approche que je peux choper à côté là. Tous ensemble! Je ne sais pas que je suis là, a priori. Voilà, plus. Je vous attends, venez. Je vous attends. Bon, je
suis à côté de lui, on va le libérer. C'est toujours ça. Libère-moi ou tue-moi. Peu importe. Mais non, je suis pas prêt. Par contre, là, tu l'as un peu. On ne peut pas sauver nos amis seuls. Vous pouvez nous aider? Je fais quoi? Ils sont stupides, ces esclaves. C'est pas possible. Nine, nine, nine. Tu m'as pas vu. Amène-toi, Si les autres esclaves voient ton genre ligoté au poteau, ils travailleront un peu plus vite, non? Allez, repose, c'est pas grave. Allez, approche. Venez par là. Que je vous taille en morceaux. Ils sont stupides. Continue le combat, Rodin. C'est des orques. Mais bon. Désarmez-le. Toi. Travaille plus lentement qu'un homme. Tu mourras encore plus lentement. Je vois le rôdeur. Pourchassez-le. Allez, rôdeur. Tu peux être un esclave lent ou tu peux être un esclave mort. Attends, attends. J'ai pas pour un esclave. Ouais, ils sont forts. Toi aussi. Tu as un coup de pain sur la flanche, prisonnier. Tu vas devoir travailler vite si tu veux finir avant que... On me met nos têtes. On s'en va. On fait le tour. Hop, hop, hop. Non, on fait le tour. C'est pas grave. C'est le Tark. Levez la tête. Pas qu'on le voit. Si normalement on ne le voit pas. Du coup on va pouvoir éliminer furtivement certains d'entre eux. Voilà. Un plus. Salut les filles. Ouais, c'est un peu beaucoup trop simple, mais c'est pas grave. Allez, approche. Voilà. Tu es le tard. Du coup, un dernier. Non. Dégage. C'est par là que je vais. Approche. Viens dans le coin. Voilà. C'est bon. Je vois dans l'œil. Avance un peu, voilà. Ici. Et on va libérer tous les esclaves. En foutant la merde dans le camp, vu que maintenant, c'est autorisé. Viens te tuer. Libérez-moi. Cette douleur va me tuer. Ah ben ça. Il y en a d'autres pas loin. Aidez-nous, Rodin. Je vais laisser le soleil pendant les heures. C'est parti. Non. C'est le roi. C'est un berserk lui par hasard? Non, sinon il m'aurait paré. Vas-y, viens. Tape. Et là. C'est pareil. Ah. Ah, non. Bien, t'es plus réussi. On y va, en marche. C'est plus stylé. Oh, mais fallait pas mourir de suite. Attaquez le santé. Meurs. Il est où le dernier esclave? Non, il a arrêté, il a arrêté. Elle est dans une grotte? Vous êtes sérieux là? Non mais oui, ils sont sérieux. On est dans une grotte, le coup. Hop, 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 hop
verrez. Ne nous laissez pas. Et voilà. Ces Zorok s'en foutent. Ils vont nous faire travailler à mort si on ne fait rien. Merci. Passage un peu caché. Juste des flèches. Juste pour faire le plein. Du coup, prochaine quête. Elle est où? Ah si, ça, il y en a deux là-bas, je crois. Ouais, même trois. Ok. On la marque, on se TP et on va là. Bon, apparemment, le plus relou à trouver, ça devrait être celle-ci. Parce que je peux d'abord louper les esclaves, avant d'avoir la quête. Je ne sais pas si j'en ai loupé. On verra combien j'en ai fait déjà vers la fin. Parce que normalement ça doit être la moitié ici, je dirais, et la moitié dans notre zone. On verra. Ils ont tout risqué pour voler le grog des réserves de leur maître. Ils sont à présent enchaînés et promis à une mort certaine. Mission bonus, c'est quoi? Emprisonné. Empoisonné. Je dis quelque chose, esclave. Si je t'entends seulement respirer, je te coupe les jambes et tu feras 10 fois le tour du corps. Ah là, donc... Voilà. Ouais. Là, il y en a un. Une flèche. On ne le voit pas, s'il vous plaît. Voilà. Vous avez entendu ça? Allez, vous voulez de la base? Vous allez en avoir. Allumez le défi. Alors que j'ai perdu. Voilà, il y a des mains. Allez,
ça. Hop là. C'était pas mal ça. Finiront dans mon estomac. C'est quoi ça? C'est quoi toi? Quoi? Qu'est-ce que c'était? Tu veux te battre? Ah, t'as une haleine. Continuez! Viens, quoi de plus? J'adore tuer! Ah, c'est ça de boire, hein. On voit pas les fusils. Et j'ai encore oublié d'essayer de m'interroger. Pour avoir une chance d'avoir de l'épique. C'est même pas grave, ça viendra de toute façon. Bon, ça c'est fait. À la prochaine. Ouais, bon, sur cet épisode, on va enchaîner tout ça. Alors oui, désolé, hein, je vais faire un épisode que vous avez pas, où il y avait la quête principale. Je me répète, mais... C'est-à-dire que ça me saoule. C'est vous deux. Oh, vous avez entendu ? Décapité d'un seul coup. Si tu m'échappes encore une fois, je vais devoir envoyer un de mes gourkars après toi. Ah, on s'est déjà croisé. Ne vous arrêtez pas. Ah, t'es quand même c'est plus résistant que je pensais. Ça fait beaucoup de sang. Élimination sportive, reste 30% de confort. Mais il me donne des trucs de merde, c'est pas possible. Pouvoir un petit à petit. Non, il était à 4, je m'étonne qu'il était faible. Les esclaves qui gardent les enclos de Caragor ont laissé l'un d'entre eux s'échapper. Ils sont à présent punis pour montrer l'exemple.